Bonjour à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour votre tirage mensuel, c'est-à-dire du mois de novembre. Je dis à tous les cancers, oui, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire, ascendant, ou même votre signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes afin d'avoir un beau gros complément d'informations pour le mois de novembre, à savoir qu'est-ce qui vous attend, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de novembre, pour lequel on va avoir un premier tirage général, c'est-à-dire concernant tous vos domaines de vie, mais aussi dans le sens de général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez le reste derrière vous. Un deuxième tirage plus axé sur votre activité professionnelle, vos finances. Pour les personnes retraitées, pensez qu'il s'agit de ce que vous faites au quotidien et à vos activités de loisirs. Et un troisième tirage du côté sentimental amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer ce tirage avec des cartes conseils pour chacun des décans. Et bien sûr, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo. Surtout si vous ne souhaitez pas la regarder dans son entièreté, mais seulement consulter les portions qui vous concernent. Libre à vous, bien sûr. Donc, on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de novembre, les cancers. Quelle est cette énergie principale qui va vous accompagner? Elle est juste ici, où on vous parle de l'appréciation avec le chiffre 15, que si je réduis au chiffre 6, le 6 nous parle de nos responsabilités. Appréciation, pour moi, ça fait partie aussi de la gratitude, d'apprécier ce que vous avez déjà, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, parce que vous savez, vous m'entendez le dire assez fréquemment, que la gratitude, c'est la mère de l'abondance. La mère M-E-R et la mère M-E-R, accent grave R-E. Donc, plus vous avez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, plus vous en avez. Un peu à l'image de cette femme, si on remarque bien, cette femme qui est seule, mon Dieu, entourée de roses, mais qui prend le temps quand même d'apprécier cette unique rose, toute magnifique, toute ouverte d'ailleurs, toute bien épanouie. Donc, les roses qui l'entourent ne l'empêchent pas d'avoir de la gratitude, d'apprécier cette magnifique rose qu'elle tient entre ses mains. Valorisez ce que vous avez, ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà apprécié, ce que la vie vous a déjà donné, bien reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez peut-être pas voir à ce moment-ci, mais qui vous attendent, qui sont à un tournant de se réaliser. Donc, pour moi, ici, vous êtes sur la note pour le mois de novembre de l'appréciation de ce que vous avez, mais d'en avoir aussi la gratitude et de savoir qu'il y a d'autres belles choses qui vous attendent au cours de ce mois de novembre, les cancers. Ça démarre bien quand même, je trouve. Ici, il y en a plusieurs. On va aller voir avec le Yikin, quels sont les autres messages pour vous, pour ce mois. J'en ai toujours deux, c'est drôle ça. Ah, il y en a une qui... Non, j'en ai encore deux. Bon, on en veut juste une, on ne veut pas être mélangé. On veut savoir qu'est-ce que le Yiking, elle est ici. Voilà, elle était seule. Ah, Colin, vous avez la même que les Gémeaux, si je ne m'abuse. On vous parle de mariage avec le chiffre 32 qui donne 5. Et le 5, c'est dans le fond, c'est la liberté que même si on est uni par le mariage ou qu'on vit avec son conjoint, sa conjointe, rien ne nous empêche de se sentir libre. Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de liens profonds
et durable. Et pour moi, les liens profonds et durables, ben oui, c'est en union, en partenariat, même d'affaires, en amitié, comme pour la famille. Dans le fond, ici, cette carte nous parle aussi peut-être de promesses, de pouvoir faire grandir une relation amoureuse, mais aussi amicale, que toutes nos relations peuvent grandir quand on prend le temps de leur apporter de la tendresse, de l'importance, de l'intérêt au jour le jour, qu'on les nourrit comme on nourrit une plante, tout en gardant notre calme, notre bienveillance, notre douceur, fermeté et persévérance, fermeté dans le sens de, pour moi, je le vois comme d'être régulier, hein? C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est le mot qui me vient, d'être régulier, d'être constant, voilà, d'avoir de la constance fermement avec persévérance pour voir grandir et naître en harmonie ce qu'on veut, surtout quand on est dans un cas d'union, peu importe la sorte d'union. Alors, pour le « wow », on part fort. On part avec une carte majeure pour le tirage général qui s'adresse à tous les domaines de vie, de votre vie. On parle de la mort, de la renaissance qui crée une transformation. Donc, probablement qu'au mois d'octobre, il y a eu une compréhension de quelque chose. Vous avez dû laisser tomber ce qui était désuet. Sinon, au début novembre, ça va être nécessaire de le faire pour créer une transformation qui va vous permettre une meilleure compréhension, de vous libérer de choses possiblement qui ont plus d'affaires dans votre vie, qui est déjà mort. Hein, ici, c'est pas une mort physique, c'est la mort peut-être d'un cycle, de certaines activités, peut-être même de certaines connaissances, celles qui vous tirent vers le bas, dans celles qui ne vous apportent rien. Parce qu'il y a quelque chose de concret qui arrive, il y a quelque chose que vous allez pouvoir manifester, réaliser concrètement dans votre vie avec cet as de pentacle. C'est un nouveau départ. C'est comme la première pierre qu'on installe pour les fondations de notre futur empire, notre futur domaine. Mais ça peut être un projet, hein, la première chose qu'on doit faire, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être l'envoi d'un courriel, mais pour créer, pour manifester concrètement ce potentiel qui est là tout près de vous, en vous fiant à vos intuitions, à votre ressenti, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parfois, ça peut même être des phénomènes physiques. Hein? Par exemple, si je vous donne l'exemple de quand vous entrez dans une pièce, tout de suite, vous sentez si l'atmosphère, elle est joyeuse, bienveillante, calme, ou si au contraire, il y a un peu de discorde. On le ressent tout de suite, c'est un peu ça, les phénomènes physiques. Et ça se produit souvent aussi de différentes façons. Pour chacun d'entre nous, il y en a que ça peut être de voir les mains moites, avoir un frisson, un coup de chaleur, les oreilles qui bourdonnent, un frétillement dans la colonne vertébrale, ou hop, une petite faiblesse passagère, ou un étourdissement, mais en tout cas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est vraiment un phénomène physique qui se manifeste quand votre intuition, votre âme tente de vous dire quelque chose et qu'elle vous signale ce phénomène pour que vous preniez un temps d'arrêt pour vous imprégner puis d'écouter intérieurement, ça se fait quand même assez rapidement, qu'est-ce que vous ressentez. Et ça va être votre meilleure boussole. Surtout quand vous êtes comme mélangé à l'intérieur de vous, dans votre tête, que toutes les idées se bousculent, que ça vous donne presque un mal de tête, vous vous sentez pas trop bien, arrêtez-vous, entrez à l'intérieur de vous, calmement, et parce que la grande prêtresse, elle est connectée à la connaissance. Bien souvent, il va avoir des idées qui vont ressurgir avec une certaine conviction, puis vous pouvez pas l'expliquer. Vous ne savez pas d'où ça vient, comment c'est arrivé, mais c'est ça. C'est parce que vous êtes connecté directement à l'univers. C'est comme s'il y avait un canal qui venait de s'ouvrir pour vous informer de quelque chose. Parce que n'oubliez pas que votre âme, elle est constamment
connectée à l'univers et à vous. Puis d'ailleurs, elle est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben voyez-vous, intériorité pour intériorité, l'ermite, parce que j'ai le sentiment que toutes vos connaissances, toute votre lumière, toute votre sagesse acquise au fil des ans, ça peut être aussi vos compétences, vos dons, vos talents, votre savoir-faire, qui va vous aider aussi à faire cette connexion-là, puis à comprendre quelque chose et à faire en sorte que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, et avoir un sentiment d'autonomie, j'ai envie de dire de fierté, d'avoir fait, d'avoir accompli, parce que c'est comme si on voulait vous annoncer que vous vous en allez vers un certain confort quand même matériel non négligeable. Le 9 de Pentacle, c'est ça, hein, c'est qu'on a acquis un statut financier par la force de notre travail, parce qu'on a accompli des choses, et là, on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus en harmonie avec soi-même. Puis on a quand même aussi suffisamment pour jouir de la vie, mais tout ça se passe à l'intérieur de vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, amis cancer, mais on a quand même trois cartes majeures qui se sont ouvertes dès le départ. Donc ici, les messages sont très importants et c'est un tirage significatif pour vous. Et on a notre as de pentacle qui revient. Donc c'est tout ça qui va vous permettre, c'est tout ce chemin-là qui va vous permettre de créer quelque chose de tangible, de concret dans votre vie. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Sachez les apprécier, d'avoir de la gratitude pour ces amis-là, en qui vous pouvez certainement demander conseil, si besoin, pour vous aider peut-être à concrétiser, à matérialiser ce potentiel qui arrive vers vous, ce début de quelque chose. Et de leur signifier votre intérêt, toute l'importance qu'ils ont pour vous. Vous n'êtes pas seul en même temps, pour moi, avec les cartes qui se présentent, les cartes majeures, ben, il y a l'univers qui est avec vous, hein? Ne l'oubliez pas. L'univers est là avec vous, votre âme, votre intuition, qui est votre meilleure boussole dans la vie, parce que tout passe par le cœur, tout passe par les ressentis, nos vibrations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de Pentacle. De laisser tomber ce qui est mort, de laisser tomber le superflu. Parce que la reine de Pentacle, c'est une femme qui est efficace, qui est très débrouillarde. On dirait qu'elle sait tout faire dans la maison, à l'extérieur de la maison. C'est une femme, on dirait, qui est chaleureuse. Quand on rentre chez elle, on se sent bien, on se sent confortable. Mais oui, parce qu'on dirait qu'elle a tous les dons, elle a tous les talents, elle sait cuisiner, elle sait décorer, elle est capable de réparer, exemple, une poignée de porte. Elle est vraiment autonome, cette reine de Pentacle, et aussi, elle est capable de bien tenir le budget. Hein. C'est une femme qui tient bien le budget, qui sait quand c'est nécessaire, quand c'est possible de dépenser, puis quand c'est nécessaire, au contraire, de tenir les cordons du budget bien serrés. Et c'est de cette façon-là qu'elle peut faire croître, agrandir ses avoirs, de prendre soin d'elle, mais de prendre soin aussi. La reine de Pentacle, c'est un peu la mère maternelle du tarot. Donc, en même temps, elle prend soin des gens qu'elle aime, elle les couvre, j'ai envie de dire, les gens qu'elle aime autour d'elle. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'attitude à adopter, à être beaucoup plus calme, à être dans le non-superficiel, d'être plus dans l'essentiel. Et l'efficacité, et c'est de vous libérer de certaines choses, de laisser derrière vous, que ça va vous permettre d'atteindre l'énergie de cette reine de Pentacle. Parce que malgré tout, on dirait qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous ennuie, ou en tout cas qui vous a déçu, qui a fait en sorte que vous êtes un peu démotivé, peut-être même un peu découragé. Et le danger avec ça, c'est de ne pas voir la coupe que l'univers veut vous tendre, c'est-à-dire cette as ici de Pentacle, quelque chose de concret, une opportunité, un début pour réaliser quelque chose de nouveau dans votre vie. Ensuite, c'est sûr, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous décidez de mettre la main à la pâte et de concrétiser cette opportunité qui vient à vous? Et si oui, quelle engagement vous allez y apporter, est-ce que vous allez l'arroser justement tous les jours
ou en tout cas un peu à tous les jours pour permettre qu'elle s'accroisse cette opportunité-là. En suivant votre intuition, en suivant vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous défaire de cette prison mentale, de peut-être vos pensées négatives. C'est peut-être ça que vous devez laisser derrière vous. Peut-être certaines croyances, pensées limitantes qui seraient à revoir, à délaisser, à quitter. Oui, en vous servant encore une fois, de votre sagesse, en étant juste avec vous-même, de vous redonner votre propre valeur en quelque part, parce qu'ici, c'est vous qui vous empêchez d'avancer dans quelque chose. Utilisez votre sagesse, votre discernement, d'écouter votre intériorité, ça va comme éclaircir aussi votre mental, puis ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions plutôt que d'avoir une certaine crainte, hein, d'avoir peur d'avancer, peur de vous tromper, peur de faire la mauvaise chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de Pentacle. Oui, ça va vous permettre aussi de tout rééquilibrer, de regarder en même temps, hein, toutes vos connaissances, toutes vos compétences, vos acquis, vos dons, vos talents. Ça va rééquilibrer ici. On a le 6 de Pentacle qui nous parle, oui, de générosité, mais d'équilibre dans le donner et le recevoir. Et tout ça, effectivement, ça va faire que vous allez avoir votre mental beaucoup plus clair, vous allez pouvoir vous débarrasser de cette prison mentale, d'un cercle vicieux, hein, de pensées négatives et limitantes, de défaire les ficelles que vous vous êtes vous-même mis, hein. C'est vous, en quelque part, vous êtes comme votre propre bourreau. Mais le roi d'épée et ce cavalier d'épée ici vous apporte, le roi d'épée vous apportait une clarté d'esprit, une certaine logique du mental. Et là, il y a une idée qui surgit de tout ça et vous êtes prête à y aller. Là, le cavalier, il fonce à la quête de cette idée pour accomplir cette idée. Il y a beaucoup de cartes de réflexion, hein? Ici, on a la carte, le 4 d'épée, pardon, carte de réflexion, oui, parce que la grande prêtresse, elle vous demande de vous intérioriser, hein, pour être à l'écoute de votre intuition, pour vous défaire de ce qui est mort. Il y a une forme d'entrée à l'intérieur de soi qui est nécessaire pour aller voir toutes vos compétences. On dirait que vous avez comme un peu perdu le nord sur tout ce que vous avez. Il y a comme un bilan ici, je sens, à faire, même si on n'a pas la carte du jugement. J'ai le sentiment qu'il y a un bilan à faire parce qu'on termine ici avec le 4 d'épée qui demande de se reposer, mais de méditer aussi, de se ressourcer, de faire des choses pour se relaxer, pour se calmer, pour se sentir bien. Ouais, ben, pour retrouver en quelque part la maîtrise de vous-même, de retrouver votre propre pouvoir. J'ai le mot dignité qui revient pour retrouver votre dignité de qui vous êtes. Parce que vous êtes il y a de la nostalgie, de la mélancolie, il y a peut-être un besoin de nourrir votre enfant intérieur, de vous apporter de l'amour avec cette as de coupe. Mais pour moi, c'est à vous de remplir cette as de coupe, de vous apporter de la douceur, de la compréhension, de vous taper dans le dos, de reconnaître tout ce que vous avez d'acquis, de talent, de dons. Et ça va faire germer des idées nouvelles. Vous allez avoir tellement d'idées que finalement, ça va être de sélectionner les celles qui sont les mieux pour vous. Ben là, ça sera peut-être le temps justement de faire comme un petit bilan, de regarder chacune de ces idées-là, lesquelles sont peut-être farfelues, lesquelles valent la peine d'y mettre de l'attention, parce que ça va vous permettre de vous stabiliser, de construire quelque chose de stable, encore une fois, parce que vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous, puis ça va être un franc succès.
Donc, ça vaut la peine de faire le chemin, d'aller regarder qu'est-ce qui est désuet, qu'est-ce qu'il n'y a plus d'affaires dans votre vie. D'aller voir vos ressentis, vos vibrations, qu'est-ce que vous avez vraiment envie en lien avec vos compétences, vos talents. Ça peut être un autre domaine. Si on parle, exemple, d'un domaine professionnel, ben peut-être qu'à partir de tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui, il y a peut-être comme un jumelage à faire, comme ce magicien, un jumelage à faire pour concrétiser ce potentiel qui est là dans vos mains. De choisir les bonnes idées pour construire solidement. Parce qu'il y a un éclairage aussi qui va se faire, mais en reprenant votre pouvoir, peut-être que les idées viennent aussi de quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez jeune. Et de nourrir aussi votre enfant intérieur, c'est-à-dire en apportant de la légèreté ou des activités relaxantes pour vous. Pour nourrir l'as de coupe, parce que ici, ce qui est concret, je sens que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pour ça, et qu'ils avaient probablement laissé derrière vous depuis longtemps. Et là, c'est le moment de tout laisser en arrière, de garder le bon de ce qui vous reste et de le jumeler pour créer votre réussite. Wow! On va aller voir au niveau professionnel. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, les cancers? On dirait que c'est un gros changement de vie qui peut se produire. Waouh, on vous parle de compromis, mais des compromis acceptables, hein? On négocie, on évalue, on réévalue et finalement on signe une entente. Mais les compromis sont vraiment équitables, hein? Les deux plateaux de la balance sont bien droits. Donc on a fait des compromis équitables pour les deux parties. Les deux parties jouissent, oui, dis-je, jouissent de ce compromis. Alors, ça a peut-être un lien avec la famille, peut-être une entreprise familiale, ou en tout cas, ça permet encore une fois de s'ancrer davantage, de solidifier, de faire accroître et peut-être de faire que la famille se sent en sécurité, où on parle aussi des traditions, du savoir-faire familial. D'avancer avec l'énergie de la femme, c'est-à-dire en douceur, en accueillant, avec la compassion, de la compréhension, de la planification. Parce que c'est beaucoup la femme hein, qui planifie et l'homme ensuite, lui, se met dans l'action et construit ce que femme veut. C'était quoi déjà la maxime? Ce que femme veut, Dieu le veut, quelque chose du genre? Ben, c'est ça, c'est à l'homme de le construire. C'est drôle ça. On a ici la carte de la joie, de la félicitation, avec, on dirait qu'ils viennent de se marier, hein? On va être honnête, là, on dirait que c'est un couple qui vient de se marier, qui sort de l'église, puis là, les gens leur envoient les confettis, etc. Puis on a quand même la carte du mariage ici. Donc, mais on est quand même ici, dans un tirage professionnel. Il n'en reste pas moins que j'ai le sentiment que le compromis ici, le contrat qu'on signe, hein, on se donne une poignée de main, on se fait confiance pour avancer, mais ça vous apporte de la joie, une sorte de, j'ai le sentiment de liberté, de bonheur. Ben oui, c'est la victoire. C'est une belle victoire, puis c'est peut-être en lien avec le savoir-faire familial, en tout cas vos traditions, ou c'est une entreprise familiale, mais peu importe ici, que vous soyez un employeur ou que vous soyez employé au service de quelqu'un, il y a quelque chose de magnifique là, qui arrive au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir de toute façon, on va aller préciser tout ça avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire à propos de ce qu'on voit ici? Ben, voyez-vous, c'est trop drôle. On repart avec la mort encore. Donc, il y a une transformation au niveau de votre activité professionnelle, hein? Ici, j'ai l'impression que la négociation, le compromis, qu'on a concilié, qu'on a une poignée de main, pour moi, il y a une signature de contrat, il y a une signature de quelque chose, ben c'est comme si ça vous permettait de quitter, je ne sais pas s'il y avait des difficultés dans le passé,
Oui, on a le jugement. J'en avais parlé dans le premier tirage. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous disais que j'ai le sentiment qu'il y a besoin de faire un bilan. Mais ici, c'est comme si, il y a quelque chose qui se révèle à vous. On va se le dire, là, le jugement, c'est une renaissance. Il y a quelque chose d'important qui se révèle à vous en laissant le passé derrière vous ou quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Puis on dirait que ça vous permet d'avoir un nouveau départ, quelque chose de vraiment prometteur. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, je suis quand même pas surprise que le jugement est revenu. Donc, et on a la tour. Fait que c'est sûr que ça se peut que ça se fasse pas en douceur, que ça vienne ébranler peut-être certaines de vos convictions, mais j'ai le sentiment que cette négociation ici vous a appris quelque chose de super important et qui va créer tout le changement. Ça se fera pas sans douleur, peut-être, sans chamboulement, hein. C'est un bouleversement, la tour. C'est quelque chose qui arrive, abéding, abédang, sans prévenir, comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Mais je sens que c'est, moi, je le dis souvent, hein, ceux qui sont habitués de m'écouter, je dis souvent, la tour, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui était déjà pas solide, qu'elle vient détruire pour que vous puissiez reconstruire beaucoup plus solidement. Mais c'est ça qu'elle va apporter, cette négociation-là. À laisser qu'est-ce qui était pas solide, justement, derrière vous, pour avancer plus solidement, plus en lien aussi avec vous-même. Ça peut vous mener beaucoup plus loin que vous pensez. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a encore notre toit de coupe qui nous parle de célébration, qui nous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens de confiance autour de vous à qui vous pouvez vous adresser pour vous aider ou pour aller vous ressourcer. Des fois, on a besoin de changer d'air, on a besoin de fêter. Oui, parce qu'on a le 4 de bâton, tout se solidifie. C'est une construction solide qui démarre à partir de ce compromis, de cette négociation-là, que je tiens à vous le rappeler, c'est un compromis bénéfique pour les deux parties. Vraiment. Fait que ça, c'est aux avantages d'un comme de l'autre. C'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben là, écoutez, le soleil, c'est la réussite. Tout s'éclaire, la victoire, la réussite, le bonheur. C'est la plus belle carte du tarot. Et en plus, ça vous permet ensuite de vous expandre. Il y a quelque chose qui va permettre que vous allez pouvoir vous expandre. Bon, peut-être pas sans casser d'œuf, hein? On a notre tour qui revient. Des fois, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Donc, il y a des choses certainement que vous allez devoir laisser derrière vous. Tout ce qui n'était pas solide, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un ménage qui va se faire. Puis là, il y a une reconnaissance. Vous allez peut-être travailler aussi en équipe. Peut-être vous allez devoir, je ne sais pas c'est quoi le projet ici. Qu'est-ce qu'on a signé? Mais soit vous avez besoin de travailler en équipe, chacun avec ses forces pour faire comme une équipe de feu, j'ai envie de dire. Et on reconnaît aussi vos dons, vos talents. C'est pour ça que vous signez, parce qu'on reconnaît tout ce que votre savoir-faire. Et à partir de là, ben, vous partez, j'ai le sentiment, sur des chapeaux de roue, là, avec le cavalier de bâton, qui est notre aventurier, qui est prêt à l'aventure, à avancer avec optimisme, avec joie, en quelque part. Il est heureux, lui, de démarrer quelque chose de nouveau, d'excitant, de passionnant, qui lui donne le feu, encore une fois, hein, il donne le feu au cœur pour avancer, tout en étant prêt à apprendre. Le valet de denier, c'est l'éternel étudiant. Donc, il est ouvert à apprendre, à regarder les nouvelles façons de faire. Mais tout ça, c'est le succès, c'est la réussite. C'est magnifique. Que dire de plus? Wow! Donc, on a eu un premier beau tirage. On a un second beau tirage au niveau professionnel, financier. Allons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire. Quels sont les messages pour vous concernant la vie amoureuse, les cancers. Avec quoi est-ce qu'on démarre? J'ai deux cartes ici. Des nouvelles. Wow! Des nouvelles brûlantes.
Bon, je ne sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, mais en tout cas, vous recevez des nouvelles assez excitantes, assez chaudes, merci. C'est pas de tout repos. Oh, c'est d'une évidence. Et je ne sais pas pourquoi, hein? J'ai tout de suite regardé la tour, puis ça m'a fait penser au coup de foudre. Peut-être est-ce que vous recevez des nouvelles d'un coup de foudre de quelqu'un que vous avez rencontré, les nouvelles, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, hein? C'est aussi les communications, on se donne de l'information, mais c'est chaud, c'est excitant, là. Et c'est d'une évidence. C'est évident, j'ai le sentiment, pour les deux parties. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un choix à faire. Ça crée un choix, ça crée des opportunités, mais on doit prendre une décision. Une décision difficile, hein? C'est comme le conflit pour moi ici est à l'intérieur de vous. On se demande, qu'est-ce que je fais avec tout ça, avec cette évidence qui est brûlante, cette nouvelle que je viens de recevoir? Oui, je dois prendre une décision, mais laquelle? Ici, au dos de deck, j'ai la maison, mais pour moi, c'est comme avec la grande prêtresse de tantôt, c'est de regarder à l'intérieur de vous. C'est votre foyer intérieur, comment vous vous sentez par rapport à tout ça. C'est ça qui va vous permettre peut-être même une prise de conscience. Oh my God, puis on a l'union, hein? On avait le mariage. Oui, c'est en regardant, vous êtes en conflit avec vous-même, hein? C'est un peu comme avec le 8 d'épée. Vous êtes en conflit avec vous-même, il y a de l'inquiétude, il y a du doute. Bien souvent, ça vient de notre passé, c'est notre mental qui vient nous ramener les échecs, on va dire ça comme ça, qu'on a vécu, même si j'aime pas le mot échec, hein, c'est des apprentissages, mais quand ça tourne pas en notre faveur, quand ça tourne pas comme on voulait, on voit ça plus comme des échecs. Donc, il y a un conflit intérieur, mental, à mon avis, hein, on se dispute à l'intérieur de soi, on s'affronte. Donc, c'est à l'intérieur de vous. En fait, j'ai dit à l'intérieur de soi, mais c'est à l'intérieur de votre tête. C'est à l'intérieur de vous qu'il faut entrer. Il faut rentrer à l'intérieur pour aller voir, ben, votre cœur, votre âme, vos sentiments, vos émotions. Ça va créer une prise de conscience, puis il y a une union ici à la solde, hein? Donc, il y a une progression, il y a quelque chose. Ah ben oui, il y a des contacts forts, là, on se regarde, puis c'est. Moi, je sens que c'est du. Peut-être ça vous fait peur, parce que des fois, quand on n'a pas vécu déjà quelque chose d'aussi intense, ben c'est ça peut être déstabilisant. Ça peut être inquiétant. On veut pas se tromper. Mais nourrissez-le tranquillement, à tous les jours. Arrosez-le. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça peut donner? Vous n'avez rien à perdre parce que moi, je sens que ça peut donner quelque chose de très bien. Bon, on va aller voir avec le tarot. On va venir préciser tout ça. De quoi on vous parle? Ben, de rapprochement. C'est un peu ça, le eye contact en arrière, hein? Ici, là, c'est les rapprochements. Donc, on commence avec ça, des rapprochements ici. Mais vous recevez des nouvelles. Peut-être est-ce que vous habitez pas un à côté de l'autre, là. Ça, c'est possible. Moi, j'échappe tout en même temps. Et donc, peut-être est-ce que vous êtes sur le mode de la communication, de vous écrire, de vous texter, mais peu importe. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Probablement d'une personne qui est intéressante pour vous, là, parce que c'est des nouvelles qui sont brûlantes. Ouais, ben, il y a du crêpage de chignon, mais moi, je pense que le crêpage de chignon, le conflit, comme je vous expliquais tantôt, c'est avec vous-même, hein? Vous autres, vous savez pas trop, là. Vous avez peur, j'ai le sentiment, je sens un petit peu d'inquiétude. Vous avez peur de vous brûler. C'est brûlant, mais vous avez peur de vous brûler. On a le 3 de coupe, ben, qui est revenu dans les trois tirages, finalement. Hein, le 3 de coupe, qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis autour de vous qui peuvent, ben, parlez-en, des fois, ça dédramatise. Ça va vous faire peut-être aussi, peut-être mieux prendre conscience de l'intérêt que vous avez pour cette personne ici, qui est, j'ai le sentiment, pas encore, c'est pas encore très, très. Je sens que c'est un peu superficiel pour l'instant. Non, je ne devrais pas dire ça.
pas superficiel, c'est plutôt, on est comme à un début. J'ai le sentiment qu'on est à un début, mais qu'on se rend compte que, hein, c'est évident que les liens se tissent tranquillement de plus en plus. Donc ici, c'est vraiment la joie, hein? Le 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur. De trouver aussi un équilibre dans notre relation, peut-être par rapport à ce que vous voulez. On va aller voir plus loin de qu'est-ce qu'on a d'autre. Quels sont les messages qu'on veut vous apporter de ce qui pourrait se produire pour vous au courant de ce mois de novembre. Et il y a un peu d'ennui ici avec le 7 d'épée. En fait, c'est de la méfiance. Et vous êtes méfiant, méfiante? Ben oui, parce que peut-être que votre passé, s'il n'a pas été facile, ça devient inquiétant. On est toujours inquiet, puis c'est pour ça qu'il y a le conflit là, dans votre tête et qu'il y a un besoin d'aller voir à l'intérieur de vous vos sentiments au-delà de ce qui est brûlant, passionnant. Le choix, c'est probablement est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas. Mais il y a une prise de conscience importante qui va se faire. Puis on vous dit aussi encore, hein, on a encore le 3 de denier. Lui aussi, si je ne me trompe pas, on l'a eu trois fois. Le 3 de denier ici, hein, qui parle d'avoir une logique, une congruence, une cohérence entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Hein, que ce soit solide, que ce soit fort. Oui, avec le 5 de denier ici, c'est pas la galère. Le 5 de denier ici, c'est de savoir s'amuser avec un petit rien, avec pas grand-chose, avec ce qu'on a au final. Qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions pour être bien. Mais non, d'autant plus que vous avez le 2 de coupe derrière. J'ai le sentiment que c'est ça, là. Vous êtes inquiet parce que c'est quelque chose de très fort que vous avez jamais vécu jusqu'à présent. Le 2 de coupe, il parle souvent d'un homme sœur. Donc, ça peut être quelqu'un qui est très similaire à vous. Qui a beaucoup d'affinité, qui a beaucoup de complicité, qu'on voit la vie pas mal de la même façon. Vous n'êtes pas des jumeaux, des jumelles, là, mais il y a beaucoup de points communs qui rendent la relation facile. Parce que ça va créer des changements, de très beaux changements d'ailleurs, parce que derrière, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle, c'est le bonheur, qu'on est assouvi, qu'on est comblé, que nos désirs sont comblés. Ben oui, c'est brûlant, mais c'est pas juste vos désirs physiques qui vont être comblés. C'est vraiment, dans le fond, c'est en lien avec ce que vous attendez d'une relation. Je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais vous avez quand même 4 coupes ici pour un tirage amoureux. Les coupes, on est dans les sentiments, là. On est dans les émotions, on est dans l'amour. Mais on a des cartes d'épée. Mais ici, c'est une carte de rapprochement. Tandis qu'ici, c'est un peu, on se méfie. Ben oui, à cause de notre passé. Puis vous avez une carte majeure qui parle, c'est la roue de fortune. C'est le changement positif, c'est l'univers qui se met en œuvre pour co-créer avec vous une relation, une belle relation si vous le voulez, si vous le souhaitez, si vous en faites le choix, si vous regardez de c'est quoi vos peurs, c'est quoi votre méfiance, quelle est votre inquiétude. Et là, il va y avoir une prise de conscience, puis je sens que là, vous allez avoir envie, vous ferez comme vous voudrez, mais je sens que vous allez avoir envie de tenter, en tout cas, l'expérience, parce qu'elle va, de toute façon, elle va être belle, mais vous savez, en même temps, qu'il risque rien, n'a rien. Si vous voulez sortir de votre célibat, si vous voulez vivre quelque chose d'agréable, ou bien votre relation, elle est déjà entamée, il y a peut-être eu un conflit, mais tout va se résorber. N'oubliez pas qu'on a la carte du mariage, hein, mais appréciez ce que vous avez, ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Vraiment, la gratitude, c'est une clé majeure dans la vie. On va aller voir maintenant les 4 conseils pour les cancers du premier décan. De quoi est-ce qu'on vous parle ici?
La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Je pense que je vous en ai parlé beaucoup. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je suis certaine que vous avez compris. Voyez-vous, au dos de deck, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Je vous avais dit, vous aviez quand même pas mal de cartes qui vous demandent d'aller voir à l'intérieur de vous. Vous l'avez même dans le sentimental, vous avez la maison, mais qui est ici, pour moi, dans ce cas-ci, la maison, c'est vous, c'est votre intérieur à vous. On va aller voir avec le petit oracle des énergies cosmiques. Quel est son conseil pour vous, les cancers du premier décan? Elle est juste... Je vais la voir. Elle est juste ici. Nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'un nouvel outil qui rentre dans votre vie, je sens qu'il va vous trouver. Vous n'avez pas temps à courir après. Restez à l'affût, gardez l'œil ouvert, mais vous n'avez pas temps à courir après. Ce nouvel outil, s'il doit entrer dans votre vie, il va entrer dans votre vie. Pour les cancers du deuxième décan, personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Oui, si on décide d'aller escalader une montagne, on va réussir avec notre volonté et notre détermination. Il en va ainsi pour tout dans la vie. Avec volonté, détermination, si c'est le but qu'on veut atteindre, on va y réussir. L'énergie du dos de deck, tu peux partir très loin. Oui, grimper l'Himalaya si tu veux, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Mais en même temps, j'ai envie de dire que si vous partez conquérir l'Himalaya, ben, il va y avoir une prise de conscience qui va se faire. Un peu comme si vous faisiez, exemple, le chemin de Compostelle. C'est un peu, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je la ressens aujourd'hui, cette carte-là. Mais le message en reste toujours le même. C'est que vous auriez beau fuir le plus loin que vous pouvez, votre problème va toujours vous suivre aussi tant que vous ne l'auriez pas réglé. Mais de grimper une montagne ou de faire le chemin de Compostelle, ben ça peut amener une belle prise de conscience puis de comprendre et de résoudre enfin ce problème que vous aviez envie au départ de fuir. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Elle vient de sauter. On vous parle du télescope. Hey, l'œil ouvert, les amis. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé, ah oui, sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Ouais, ben là, vous avez le nez trop dans le guidon, comme vous dites, les Français. Sortez le nez du guidon, regardez l'horizon, gardez l'œil ouvert sur l'horizon pour vous expandre. Hein? Quand on veut grimper une montagne, ben, je ne pense pas qu'on regarde toujours le sommet, mais on ne regarde certainement pas juste ses pieds. Il faut regarder vers où on va, il faut aller, il faut regarder un peu plus loin. Ben, c'est ça que le télescope veut vous dire. À force de trop observer, des fois, oui, c'est important, c'est bien d'être minutieux puis de s'attarder aux détails, mais quand on fait que ça, en quelque part, on n'avance pas. Hein? C'est comme la perfection de la perfection, là, on s'en sort pas. Donc, voilà. Et pour nos cancers du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Oui, ça me fait penser aux deux fois les deux cartes de la mort qu'on a eues. Laissez tomber qu'est-ce qui est trop lourd, qu'est-ce qui est trop pesant, ce qui vous empêche, qui vous enchevêtre et qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être de la lourdeur là-dedans, pas juste de l'armure, la lourdeur de peut-être de certaines choses de votre vie. Bien, laissez-les derrière vous pour vous libérer et vous permettre d'avancer plus librement. L'énergie du dos de deck. Ne te lamente pas sur ton sort. Apprécie ce que vous avez. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Au lieu de vous lamenter, là, poussez-vous à aller plus loin,
puis à obtenir ce que vous voulez. Est-ce que vous avez peut-être de la difficulté parce que vous avez le sentiment que la vie est contre vous? Non, 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 non. Regardez ce que vous avez. Appréciez ce que vous avez déjà. Parce qu'il y a une force en vous, à l'intérieur de vous, que vous êtes capable d'activer pour vous libérer des lamentations, des critiques, du jugement gratuit, bien souvent, pour vous mettre en action, puis pour avancer. Parce que la critique, sachez-le, les amis, et moi aussi, ça m'arrive, hein, inquiétez-vous pas, ça m'arrive encore, moi, de critiquer, là, oui, 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 oui. Je suis humaine, tout comme vous, mais d'en prendre conscience que vous êtes en train de critiquer, de vous lamenter, de vous victimiser, ça, ça apporte rien de bon. C'est pas ça qui va vous apporter l'abondance, c'est pas ça non plus qui va vous nourrir et qui va vous permettre de vous sentir bien, au contraire. Donc, au lieu de nourrir des pensées désagréables, on va dire, virez ça de bord. C'est quoi le contraire? Exemple de la peur, c'est la confiance. Au lieu de vous lamenter, appréciez ce que vous avez. Comprenez ce que je veux dire? Tournez la médaille de bord pour l'amener toujours au positif, pour vous défaire tranquillement du négatif. Oui, et là, il existe, on est dans un monde de dualité. Les deux opposés existent, le bien, le mal, la lumière, l'ombre, le positif, le négatif. Mais mettez votre énergie sur ce qui est positif. Quand vous avez quelque chose de négatif, acceptez de le voir. Essayez pas de le repousser. C'est là. Voyez-le. C'est là. C'est là. Parfait. Il y a une prise de conscience qui vient de se faire. Et là, c'est le temps de tourner ça, de changer cette pensée-là en quelque chose de positif, de par son contraire, et de le nourrir. Essayez-le. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est assez fantastique. Et on va aller voir maintenant pour vous les cancers. La carte conseil avec le petit oracle des énergies cosmiques. Quel est son conseil? Juste ici pour vous, clé de l'atelier. Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Et vous avez besoin d'un sentiment d'appartenance, peut-être pour aller chercher plus de sécurité. De participer à quelque chose, ça peut être de courte durée, hein, des ateliers, c'est pas toujours 6 mois, c'est peut-être un atelier d'une semaine, des fois c'est d'une journée, parfois c'est de quelques heures, mais ou de vous inscrire à une formation, mais peu importe, quelque chose pour lequel vous avez de l'intérêt, puis pour lequel vous avez envie, faites-le. Je pense que ça va vous réénergiser aussi, ça va vous faire beaucoup de bien, ça devrait vous calmer, vous apaiser, et vous apportez beaucoup plus de pensées positives par le fait même. Vous allez voir la vie d'un autre œil. Et sachez que vous pourriez rencontrer des gens très intéressants. Ben, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être des nouvelles amitiés, ou en tout cas, il peut y avoir des prises de conscience aussi, des fois, c'est surprenant. Mais quand on élargit son clan social, ben oui, ça rouvre vers d'autres opportunités, d'autres façons de voir, de comprendre la vie. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, ben vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et je tiens aussi à vous remercier pour toute la reconnaissance, l'appréciation que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes, vos commentaires, etc. Les commentaires, si vous saviez à quel point j'adore vous lire, c'est fou raide. Et parce que ça me motive, ça me fait du bien et ça me donne envie, hein, ça me booste pour continuer à faire ces vidéos pour vous. Puis ça me permet, ben oui, de rester sur cette plateforme. Donc, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!